Bah, crever. Oh, salut. Oh, des zombies. Oh non, impossible. Tout ça pour deux coffres. Ah, excuse-moi, tu ne sais pas te défendre. Voilà. Bon, et maintenant, on va fouiller les coffres. On trouve ça piège un peu nul. Le corps, il est là. Oh, qu'est-ce que c'est? Une loupe de détection. Ça défonce. Vas-y, je le prends. Vas-y, je me le mets. Oh, c'est trop bien. Ah, je peux l'utiliser 3 fois par jour. Mais c'est trop bien. Et plus de... Ah, il y avait un plus 7 qui était jouable là-dessus. Bah, tu sais quoi, en fait, j'avais juste besoin de ça. Non. Où est-ce que j'étais? J'étais ici. Ouais, c'était ici. Donc là, ah là là, il y a des statues qui bougent et qui font de la merde. Mais voilà. Bon. Et donc, voyons voir. Ah, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Genre, il y avait une porte secrète comme ça? Ok. Oui, alors. Moi, je suis d'accord, écoutez. Le jeu, il met des portes secrètes, mais bon. Tu as besoin de aide? Bah, une seconde. Bon, bah on va se reposer. Ah mais non, mais on est déjà full. Enfin, moi je suis full vie. Ah, on dit encore des squelettes. Ouais, donc en fait on s'ennuie. Je ne vous cache pas que je m'ennuie un petit peu. Alors, c'est moi. Mais tu vas la fermer! Voilà! Bravo! Bon, tu m'emmerdes. On va se reposer. Voilà, repos, comme ça tu te tais. Ah, pas croyable ça. Non mais oh. Bon. Alors. C'est bon? T'as fini de gueuler? De con. Et maintenant. Il y a quelque chose d'étrange ici. Ah mais c'est quand il dit ça. D'accord. Je sais pas où je suis, c'était pas une bonne idée.
Ah mais ouais, mais il y a des squelettes partout en fait. Tu es qui? Comment tu t'appelles? C'est qui ton nom? C'est quoi? Tu me donnes 5 secondes, il y a des squelettes, machin. Donc monsieur, vous êtes... Oh, bonjour monsieur Karl... Karl Garas. Attendez, excusez-moi, il y a un piège. Mais comment ça, effrayé? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est une blague! Je marche dans le piège! Rien à faire! Je suis un fou dans ma tête! Bon, bah sinon, moi je ne réponds plus de rien. Voilà, là le jeu me dit. Ah! J'arrive, Dalin! Il a disparu, je le savais! Cet homme est trop faible! Sinon il y a des coffres. Ah, va falloir que je leur remette le ton de sorade. Hein. Fais le chimique, faudrait vraiment que je les utilise tout ça. Un jour je les utiliserai. Un jour. Je ne sais pas quand. Mais on va se dire un jour. Flèche. Ça c'est des flèches plus 1. Ouais. Bon, j'ai donc du poison. Xanos, ça du poison. On est tous très clairement dans le... Caca. Parfait, elle est utilisée sur moi aussi. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est que j'ai coupé le son. Ah, je hais ma vie des fois. Mais bon, c'est pas grave. Donc, allons là-bas. Enfin, pas là-bas, mais là-bas. Ici. Un gros bruit de ghoul. Enfin, de méchant. Alors, une porte, ah mon dieu! Un chevalier! Oh putain, alors quoi? Vas-y, je te démonte. Vas-y, je vais te défoncer, chevalier noir squelette. Voilà. Tiens. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, la belle. Oh, la belle. Oh, la belle. Ouf, la barre divine. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Oh la belle bait. Ah ça c'est de la belle bait. Ça c'est du beau. Ça c'est du beau loot. Allez, j'y mets bien. Oh puis là il y a une salle. Voilà. J'ai tous mes jets de sauvegarde réduits, mais sinon je le vis bien. Bonjour, ceci est un piège. Voilà, c'était le piège. Et là il y a quoi? Un trou? Un trou. On aime le trou. Escalier descendant. Et là, il y a un piège. Oui, merci, bonjour. Là, il y a un autre piège. Merci encore plus.
Bon, je pense que en fait, on peut finir ça direct en descendant, tout court. Et puis voilà. On finit, on descend, on tue, on ramène, on prend son arme, on le ramène au temple. Donc il va falloir courir. Ah non, mais non, c'est pas comme ça que je voulais statue hôtel. Ok, bon bah go. Sauvegarde. Et go go Power Rangers. Je m'occupe déjà de celui-là. Bon. Je pense qu'on a on m'a assez vu avec une arme de merde. Voilà. Alors. Bah. Ah. Ah, mais oui! Je m'en fous, je voulais ton argent! Est-ce que j'ai récupéré les rubis? Je sais pas si j'ai récupéré les rubis. Voilà, j'ai les rubis. Ah oui, et ça, faut que je force. Là. Je sais pas, j'essaie des trucs. Bon, d'accord, ça marche pas. Donc là, en fait, j'ai rien récupéré. Je suis déçu. Moi qui voulais récupérer des trucs. Oh, une porte secrète! Oh, je prends, je prends, je prends, je prends, tiens, tiens. Tout ça va être utilisé par Xanos, hein. Ça, c'est un piège. Oui, voilà, bonjour. Je prends, 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 je prends. Xanos, on va revoir ta stratégie. Tactique, équipement, voilà. Tu n'as plus assez de sorts, donc je vais t'en refiler plein. Genre ça. Voilà, pisse ça, pisse cette merde, pisse truc, pisse ça. Comme ça, tu t'amuses, écoute, tu t'amuses bien avec tous les sorts. Voilà, puis tiens, même là, des sorts. Tiens, puis tu seras mieux avec un casque de Iron Man ou de Ant-Man, je sais pas ça. Non, c'est Ant-Man, ouais, plus. Voilà, là déjà tu ressembles un peu à quelque chose. Et moi je suis niveau absorbé, parfait. Et il y a un coffre, enfin il y a une porte secrète. Ouais. Avec d'autres portes. Bah elle est là. Cette porte maintenant, un couloir. Ah, c'était les portes là, d'accord. Bon maintenant rien à faire. Monsieur Monsby, Karl Garas. Ah, on va voir ce que ça fait en fait, chimique. C'est une bombe en fait. Bombe! Voilà. Ah, Laura, putain. Je déteste les. Je déteste ça. Ah, mais non, mais c'est une blague. Bon, bah, pendant ce temps, pendant que ça fait la vie. Ah, j'ai toujours l'encens. Ouais, bah non, l'encens me servira à rien. Voilà, ça c'est dès que je me sens mieux. Allez, ça passe, ça passe! Allez, tiens, des 7, hein.
décède. Mort. Non, il est pas mort. Sceptre du fléau, vite. Ah mais d'accord, c'est toi qui as fait ça. Et là, je le remets sur le son. Oh, le tombeau, il est piégé, MDR. Mais déjà les coffres. Voilà, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. 2000 or. Voilà, c'est à moi donc. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et ça aussi. Attends, il faut trouver le point de téléportation. On va voir un peu cette baguette un peu nulle. D'accord. Ah, je dois tout remonter à pied. Non mais j'accepte, écoutez, c'est un peu de la merde, mais voilà. On va dire que c'est... On va dire que LOL c'est drôle. Ah. Waouh. Bonjour. J'ai le sceptre. Oui. Oui. Je m'en charge. Elle remplacera le sceptre. Ah, parfait. C'est cool ça. Bien, je vais donc me diriger vers la demeure du seigneur de l'aube. Je vais changer et puis on va s'arrêter là. Ça aurait été une session un poil plus longue que ce que j'avais prévu. Mais quand même, on avance dans l'interlude. Parce que ça, c'est un interlude. Comparé au chapitre. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'autre, c'est Bouffonman. Alors, parlons. Ah, bah oui. M'appelle Toriage, c'est un ch... Pardon. Pourquoi avoir besoin de la tenir? Je ne sais pas. Ah là là. Ah mon dieu. Bon alors. C'est un combat bonus. Monsieur Lama, mon dieu. Bon, excusez-moi. Je force un peu le passage. Excusez. Pardon. Bonjour. Monsieur Carl Vira, s'il vous plaît. Veuillez arrêter. Voilà. Ah mais je suis hébété en fait, d'accord. Ça explique pourquoi je ne mets aucun dégât. Je vais donc remettre mon épée. Voilà, pour des vrais dégâts. Bon, on va dire que ça ne s'est jamais produit.
Mettons que ceci ne s'est jamais produit. Parce que ça ne s'est jamais produit. Voilà, donc nous allons revoir comment cet homme est mort. Voilà, cet homme est mort ainsi, par Xenos qui a lancé une boule de feu assez puissante. Donc voilà, on va prendre le sceptre, tout ça, dans les coffres. Il y avait plein de choses intéressantes. Pardon. Voilà, oh là là, tout plein de loot. Ah là là, qu'est-ce que c'était cool. Ah là, j'ai déclenché un piège, ça je prends. Et on s'en va, tandis que le tombeau décède, meurt, tout ce que vous voulez. Ah là là, on s'enfuit. Et là, le script. Voilà, ah là là, c'est incroyable. Blablablu, j'ai le sceptre, blablabla, on y va, tout ça, la joie. Mon cul, ma bite. Enfin, pas ma bite, mais mon cul quand même. Voilà, c'est allé extrêmement vite. C'était un résumé de l'épisode qui s'est passé il y a à peu près 5 minutes. Et donc, ah là là, j'y retourne, blablabla. Et oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh là là, mais c'est Kerdiras qui est là. J'accepte de parler, blablabla. Je me nomme Yana, ah là là. Votre version des faits. Alors, j'étais un puissant prêtre de Yergal, hein, du puissant de mon temps. Alors. D'accord. C'était un noble, enfin. Vous n'êtes pas loin. Alors. L'ironie, j'imagine. Exactement. Alors. Ok. Oh, quelqu'un a dû assumer le rôle parental dans votre vie, c'est un homme, une famille. Aimez-vous votre menteur, c'est un bon professeur. Oui. Et pourtant, il y a quelque part où vous avez envie de mettre votre menteur à l'épreuve. Peut-être. Alors, il n'y a plus de questions. Mais le plus important est à venir. Sachant que ça implique de trahir vos amis et les bédouines. Y'a pas un autre moyen? Non. Ah non, d'accord, c'était un piège dans l'île de K. Donc on va sauvegarder et ouais. Ah mais ils résistent quand même bien. Dans ce cas, vol écorce et force de taureau. Et potion normale. Et je suis hébété. Je suis hébété, ça commence à m'énerver un peu. Ah vraiment les mecs, c'est pas drôle, merci. Ah ça y est, j'ai des manus qui se barrent. Pendant que tout le monde est mort en fait. Ah non, sauf lui. Ah mais ils résistent en fait ces soldats de merde. Ah enfin. Merci Dana pour ce sort.
Allez, il agonise. Donc en fait, quoi qu'il en soit, j'étais obligé de le retuer. Bon. Ah merde, l'hôtel, vite, dégage. Ah, il est où le sceptre? Ah, j'avais oublié. Et je récupère le sceptre de l'aube. Qui ne sera pas pour moi. Ah putain, je suis désolé mec pour tous tes mecs. Enfin, tes compagnons. Ah! J'avais oublié. No stress. Mais il faut le battre une fois pour que après le sort se dissipe. Bon, et ben nous allons donc. Oui, tu brilles, alors c'est bien. Nous allons donc rejoindre notre campement et nous arrêter là pour cette session qui aura duré beaucoup trop longtemps. Ah, on peut boire dans l'oasis en fait? Non, on peut pas boire dans l'oasis, zut. Donc, je vais m'arrêter là. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette session jusqu'au bout. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo. À la partager, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et pour ne rien rater de la suite de l'extension et de la suite du jeu et de monsieur sur Twitter, tout ça c'est en description. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights Shadows of Endred Tide.